Après s'être rapproché de Jenna Coleman le week-end dernier, le prince Harry sera sans doute ravi d'apprendre que la jeune actrice est célibataire depuis quelques mois. Elle n'est plus en couple avec le comédien écossais Richard Madden. Non, le prince Harry ne s'aventure pas à draguer des jeunes femmes déjà en couple. Le frère de William avait été vu très proche de l'actrice Jenna Coleman il y a une semaine lors d'une soirée mondaine après son match de polo du jour. Ils ont discuté pendant un long moment, partageant un moment complice et intime mais sans geste équivoque malgré une main du prince sur le genou de son interlocutrice. Un petit flirt de début d'été en somme. Pourtant, Harry aurait pu tenter sa chance, lui qui n'aime pas qu'on le compare à Bridget Jones. Jenna Coleman, vedette de la série Doctor Who, n'est plus en couple depuis de nombreuses semaines avec l'acteur de Game of Thrones, Richard Madden. Selon le site britannique The Mirror, les deux comédiens auraient décidé de mettre fin à leur histoire d'amour de 4 ans au mois d'avril. Ils sont apparus pour la dernière fois ensemble lors de l'avant-première londonienne du film, Cendrillon, au mois de mars. Ils resteront toujours des amis après avoir vécu tant de choses ensemble. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, ils étaient des jeunes acteurs ambitieux et désormais, ce sont des stars du petit écran, a confié une source proche du couple. La voie est donc libre pour le prince Harry si jamais il en pince pour la belle brune de 29 ans. Néanmoins, le tonton de George et Charlotte reste ambigu sur ses sentiments pour son ex Cressida Bona. Il a été voir sa pièce de théâtre mercredi dernier à Londres. A-t-il définitivement tourné la page? Reverra-t-il Jenna Coleman bientôt? Le prince Harry a annoncé il y a quelques semaines qu'il aimerait fonder une famille et pour ça, il faudrait d'abord trouver l'élu de son cœur.